terminer tout à l'heure par le flash du feu rouge. Et Margot va tenter de conserver sa place de pole woman. C'est parti, un des derniers départs. Super, mais Stéphane Anthony qui a le point de remonter. Olivier Pernod, alors que la discothèque de Christophe Ferrier va tenter de l'intérieur sous la mairie. Ça n'est vraiment pas de vue. Là. C'est là qu'il y a un décor. Marguerite Lafitte qui a réussi une nouvelle fois le départ parfait. Elle a réussi à prendre deux longueurs déjà sur Olivier Pernod. Comme papa en Formule 1. Elle démarre exactement comme c'est la fin. Attention, on démarrage donc avec ce fameux problème de positionnement sur la grille. Qui peut-être est un faux problème, je ne sais pas. On va le savoir. Énorme départ. Dans les roues d'Olivier Pernod, Panis est déjà sur Olivier Pernod. Olivier qui résiste pour l'instant, mais pourra-t-il résister jusqu'au bout alors que Ballas revient là aussi. C'est parti fort, c'est parti vite, et Panis est à l'attaque. Oui, Panis est à l'attaque, mais pour l'instant, Jean-Philippe Biron fait une bonne opération, même s'il n'aura pas la seconde traditionnelle au passage sur la ligne de chrono du premier tour. Il s'est quand même un petit peu débarrassé d'Olivier Pernod, qui a dû lutter avec Olivier Panis qui était déchaîné derrière lui. Attention à l'attaque d'Olivier Panis qui freine le plus tard possible pour Olivier Panis. Olivier Panis qui va revenir sur Pernod. Non, c'est encore trop court. Mais en tout cas, c'est la grosse attaque pour Panis. Grosse attaque d'Olivier Panis. Panis qui freine encore plus tard. Incroyable. Il est attaqué par Panis. C'est Ballas qui est juste derrière. Attention au freinage de Panis. Allez, complètement. Là, attention, il va y aller là, Olivier Panis. Il va y aller, attention, attaque. Il va y aller, énorme attaque d'Olivier Panis. C'est incroyable ce que fait Panis. Mais il n'y arrive pas. Olivier regarde au fond de la porte. Nouvelle attaque de Panis à l'intérieur. Une faute, moi je passe devant. Et Desro qui perd du terrain, regarde. Desro qui perd du terrain sur la BM d'Olivier Pernod qui lui démarre une nouvelle fois. Complètement au travers. Panis qui va tenter l'intérieur. Panis est en train de se reprendre contre Jean-Philippe Léraud. Léraud qui attaque Panis. Léraud qui attaque Panis et qui va porter un deuxième uppercut. Il ne peut pas y rapper jaune, il ne peut pas y rapper jaune. Dernier tour, toujours à l'autre. Continuer à accélérer, il a pu y aller 3-4 mètres d'avance sur la Skoda d'Olivier Panis. Ah non, il n'y arrivera pas, Olivier Panis, c'est Desro devant, hein. c'est pas une fillette qui vient de passer son permis. Il est arrivé. C'est Jean-Philippe Desro qui gagne cette finale. 2 Panis, 3 Ballas, 4 Stinnard, 5 de Mousquet, 6 Rivière, 7 de et 8 Olivier Pernod. Olivier Pernod qui a été. Jusqu'au premier arrêt, il s'est raté.
Et c'est Daber qui dira en tête, alors là, il va falloir aller le chercher. Là-bas, ça va très très vite, alors que Maxime Emery, qui essayait de revenir, a été pris et est parti à l'extérieur. Il a perdu au moins deux places. Maxime Emery qui est retardé maintenant et qui doit être troisième ou quatrième, alors que normalement devant, on a la KTM. Le voilà, celle de Jonathan Mongarni avec l'autre KTM, la blanche ici, celle de Sylvain Dabert, qui porte la première attaque, qui perd un petit peu de terrain, alors qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une autre KTM, c'est Maxime Emery qui est en train de revenir au contact, et qu'on a une autre KTM juste Cédric derrière, Lassé. C'est Cédric Lassé. Carton plein des KTM dans ce premier tour. Allez, premier passage de mon garçon, de mon garçon, Emery, Lassé, entre le Duvert. Extraordinaire pilotage. Nous sommes... Allez, c'est grave, quatre tours pour John Mongarni. Ah, il est toujours là quand même, Maxime, il va falloir se